Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Walkthrough de Retour vers le futur. On va parler. On va parler à ce monsieur. Excuse me, Mr. Douteux, Jacques Douteux, at your service. Jacques Douteux. Donc c'est un Français, on entendra bien l'accent français. Hein. I'm looking for a friend of mine, Emmett Brown. Tall young guy, reddish brown hair. A distracted look. That's him. Any idea where he went? He just passed by here with an older gentleman. I think they were headed into the House of Glass. Great, thanks. Voilà, donc on sait où est parti Emmett. Il est parti par ici. Hey, Emmett, come out of there. Don't listen to him. Ça, perfect. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, si je veux essayer d'entrer, regardez. Hop, pas possible. Insert ticket to enter. J'ai pas de ticket. Donc va falloir aller chercher des tickets pour pouvoir entrer dans les attractions. Et en sachant que je n'ai pas d'argent, ça peut paraître compliqué, mais je vais parler à Trixie. Hi Trixie. That's techni to you, kiddo. Right. Congratulations on getting the old job back. Thanks. Justice triumphs in the end, you know. Now what can I do you for? Alors, dites-moi plus sur les attractions. So, which exhibits do you recommend? The most popular attractions are the Glass House, the Future Furnishings, and of course, Enlightenment Under the Sea. You know who that is under the diving helmet? That's Jacques Douteux himself. Of course, you need to get tickets if you want to see the main attractions. Oui, donc dans cet épisode, je parle bien sûr de l'épisode 5, Out of Time. Comme c'est le dernier, je vais faire pas mal de dialogues, la plupart des dialogues disponibles. How much are tickets? Aw, put your money away. Here, you're kind of like family now, you know? Thanks. Voilà. Emmett est dans la maison de verre. Look, Trixie, I found Emmett. He's in the glass house with Doc, Carl Sagan. Oh good, that's nice. We've got to get him out of there. Aren't you being a little dramatic? It's an exhibit, not a prison. Vous pourriez décaler la démonstration d'Emmett à plus tard? Look, Emmett's demonstration has hit a snag or two. Can you delay his act for a while? Let someone else go before him? Sorry, I don't set the roster and they won't let me change it. I can drag my feet a little, but if your friend's not ready to go on pretty soon, we might have to skip his act. I mean, demonstration. But you can't! Hey, it's just a science demo. It ain't a matter of life and death. Pour quand est prévue la démonstration d'Emmett? What time is Emmett supposed to go on? Let's see, 8 kilobits past 50. We're on metric time here at the Hill Valley Expo. Ça aide pas beaucoup, hein. Edna a fait fermer le stand d'Emmett. Edna Strickland is trying to get Emmett's booth shut down. That dame don't know how to mind her own business, does she? Comme d'habitude. Aidez-moi à faire rouvrir le stand d'Emmett. Is there anything you can do to get Emmett's booth open again? I wish there was, but I'm just a muse. All we can do is inspire people. Inspirez-moi, muse. Okay, you're a muse. Can you inspire me an idea? I'll try. Well? Maybe it doesn't take effect right away. Comment avez-vous récupéré votre boulot? Artie told me how you managed to get your old job back. He did? But it was supposed to be a secret. There's no secrets between us. He couldn't resist telling such a good story. Yeah? Still, I'd like to hear it again, from your point of view. He didn't tell you anything. Allez, dites-moi, comment avez-vous récupéré votre boulot? Come on, Trixie, I'm dying to know how you got the job back. You won't hear it from me. I don't talk out of turn. Voilà, bon, on quitte. Thanks. Happy to help.
Allez, on va aller essayer de choper Emmett. Ah putain, j'ai du mal à me déplacer. On dirait qu'il est bourré, le pauvre Marty. Okay, Emmett, let's get you out of here. Emmett! Emmett, don't listen to him! He's crazy! I'm still not sure about this business proposal, Mr. Sagan. Let me explain it again. Atlas Glass. Unbreakable and soundproof. Soundproof glass. Great. Our living space can be configured to meet the needs of any family. Need a private study? Simply slide the walls in. Or slide them out again to create a spacious banquet hall. Bien. Alors nous voilà dans le labyrinthe de verre. Et en fait, voilà, je peux déplacer les murs de cette façon. Oh ! Vous avez vu ça ? Je viens de passer dans un bug. Je suis pas certain que ce soit une bonne chose d'être passé dans un bug comme ça. Et voilà. Effectivement, c'est une très mauvaise chose parce que là, je suis coincé. Il n'y a pas de mur que je peux déplacer à cet endroit. Bon, bah, vous avez vu un bug en direct, si c'est pas magnifique. Je sais pas si c'est une super chance, mais je pense pas que c'en soit une. Ça va juste nous faire perdre un peu de temps. Voilà, nous nous retrouvons ici. Donc, j'étais tombé dans un bug, comme vous avez pu le constater. Je vais retenter de passer en espérant ne pas retomber dans un bug. Voilà, cette fois c'est bon. C'est quand même assez étrange, hein, ce bug. D'ailleurs, j'ai entendu dire sur des forums que ce passage était truffé de bugs. Genre par exemple, des fois, les poignées, on peut pas cliquer dessus, il n'y a pas moyen, parce que, pour une raison mystérieuse, un bug nous en empêche. Et là, on vient d'en découvrir un autre en direct, que je ne connaissais pas, et c'est quand même très contraignant. Bon, normalement, il devrait plus y avoir de soucis maintenant, hein. Si j'arrive à bouger les poignées et que je passe plus au travers des trous, enfin du sol, qu'il n'y a pas de trous invisibles, quoi, bah... Tout va bien. Donc, il suffit de faire coulisser tout au fur et à mesure, hein, et c'est pas bien compliqué de s'en sortir. Mince. Là, il y a un mur. On le voit pas très bien. Ah mince. Je crois que c'est un truc en haut qu'il faut que je bouge. Retourne juste en haut. Voilà. Ouais, si, c'est celui-là, quoi. Je crois qu'il faut que je referme. Il me semble. On va aller voir ça. Ouais, c'est bon. Pas gentil, Doc, pas gentil. Mince. Alors attendez. C'est ça qui gêne.
Voilà. Emmett? Where did you take him now, Doc? Et donc là, on atterrit dans... Greetings again, attendez. Mortals! This is Techni, Muse of Progress. Hoping you're all having a swell time taking in all the exhibits. Don't forget, you can purchase tickets to our main attractions right here at the information booth. Voilà. Donc là, nous avons atterri dans l'attraction de la Maison du Futur, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça, c'est la Maison du Futur. Donc, attendez. A fully equipped home entertainment center. So, where's the ColecoVision? Ah, il y a... une plante en pot. This plant doesn't belong here, there's nothing futuristic about it. Bon, j'en aurai besoin plus tard, hein. Je la prends tout de suite parce que, voilà, je sais que ça me servira plus tard. Ensuite. Bouton rouge. In the house of the future, fresh fruit baskets will be replenished daily by fleets of fruit-bearing helicopters. Ah, it's wax. Donc ça, c'est une référence au deuxième film, parce qu'en l'an 2015, il y a vraiment des espèces de paniers à fruits qui sortent du plafond comme ça. In the house of the future, phone conversations will be completed in the privacy of the personal phone helmet. Hey! Please recite the phone number you wish to dial, or say, hang up, to terminate your phone helmet experience. Residence Brown. Klondike 4385. Brown Residence. Hey, Hampton. How's it hanging? This is Marty, Emmett's friend. Is he there? Not at the moment. I'm afraid he's off on one of his little adventures. Thanks. Bye. Farewell. Conversation terminated. Voilà, on peut vraiment appeler avec, c'est plutôt pratique. Bouton bleu. Chinese checkers and everything. Bon, pour le moment, il y a rien de plus à faire dans cette maison du futur. Donc on va sortir. En parlant de téléphone, en voici un autre, une cabine téléphonique du futur. Welcome to the phone booth of the future, made with Atlas glass. Atlas. Unbreakable and soundproof. Our phone is hands-free, so you can enjoy a sandwich or a cigarette while chatting with friends in perfect privacy. Would you like to place a call? Yes, I'd like to talk to... Unfortunately, this phone booth only accepts incoming calls. Voilà. Radiovision. Are you ready for a picture radio? Wonder if that's anything like MTV. C'est un peu moche, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite du walkthrough de Retour vers le futur.